Donc Malcolm X aussi était au courant du fait que les Noirs étaient présents en Amérique et qu'ils ont été assimilés aux déportés, et que dès 1702 aux États-Unis, et ensuite il y a eu des lois jusqu'en 1774 et au-delà, jusqu'au début du XXe siècle, pour métisser et déplacer les populations dans des réserves. C'est-à-dire que là, on a fait tout pour que les gens perdent leur culture, leur langue, leur histoire, leur héritage, et les colons se sont appropriés tout ce qui était glorieux dans l'héritage de ces gens. Donc voilà le code secret, le peigne afro que vous voyez, il y en avait en Amérique avant. Et le point levé, c'est la panthère noire qui vient d'Amérique. Donc nos civilisations, elles sont bien plus anciennes que ce qu'on nous le dit en Amérique. C'est pas 5000 ans avant notre ère. C'est les Olmèques et les pyramides et et ce qu'on a retrouvé dans le Grand Canyon comme artefact, c'est pas possible. Il y a beaucoup de similarités avec la vallée de l'Indus et du Nil. Donc maintenant, quand on regarde Tupac, tout ça est lié. Le code de Thug Life, si vous savez pas ce que c'est, et le 50 Nigger, c'est vraiment déjà un plan qui voulait unifier tous les gangs américains, latinos et afro-américains. Imaginez bien qu'il devient un ennemi pour l'État fédéral américain. C'est-à-dire que ça représente 76% de la population, hein. Les latinos et les afro-américains, plus le pourcent des Indiens dans les réserves, ça c'est 76%. Donc vous allez voir le verset 18-31 d'Exodus, y a le passage qui parle, les 50 niggers, donc c'est si tous les Noirs s'autodéterminent, se rassemblent, arrêtent s'entretuer et qu'on fait une milice d'autoprotection de nos droits, on va arriver à quelque chose. Donc forcément, il s'est fait tuer. Donc tous le outlaw, bien sûr, ça va beaucoup plus loin que le hors-la-loi du western. Il y a tout un code à savoir dedans. Ça, c'est les nègres-marrons modernes. C'est-à-dire que à l'époque où ils ont vécu, ils devaient se tatouer des signes sur le corps pour communiquer des concepts. Hein, c'est pas juste des tatouages pour décorer. Donc vous voyez le nom hein, qu'il avait. Hein. Tupac Amaru Shakur. Bien sûr, ses parents étaient des Black Panthers, les deux. Lui, il est né carrément dedans. Donc, le point levé, c'est aussi son héritage. Ses parents ont été victimes du crack. Donc, il l'avait d'abord aussi nommé Tupac en hommage à ce résistant amérindien qui avait lutté contre justement les colons. Tupac Amaru Shakur est donc aussi le nom donc d'un souverain de la civilisation Inca, en Quechua, Tupac Amaru. Donc en 1545, le 24 septembre, le jour de sa mort en 1572. Et le dernier Inca Quechua de la dynastie Manco Inca. Il succède à son frère Titu Cusi Yupanqui, de Manco Inca. Son nom signifie serpent brillant en Quechua et a été exécuté par les Espagnols. Tuticusi Yupanqui monta sur le trône en 1560 après la mort de son frère Sayri Tupac. Donc Tupac Amaru Ier lui succéda. Manco Capac II est aussi appelé Manco Inca ou Manco II. Il est le fils de Huayna Capac et le demi-frère de Huascar et de Atahualpa. Il appartient à la noblesse de Cusco. À Vilcabamba, Manco Inca rendit la liberté à ses troupes, puis se réfugia dans les profondeurs de la jungle pour continuer sa lutte
et organiser la résistance quechua. Il rétablit les rites Inca et organise une nouvelle cour. Le règne des Incas se poursuit donc dans la province de Vilcabamba. Manco initie ainsi une résistance Inca qui allait durer jusqu'en 1572 avec la capture et l'exécution de Tupac Amaru. Vilcabamba, la cité du dernier refuge des Incas au Pérou. Tupac Amaru II était un indien cacique. Un cacique est un mot emprunté au Taïno. C'est le chef d'une tribu des Caraïbes, d'Amérique centrale ou du nord de l'Amérique du Sud. Le territoire contrôlé par un cacique est un cacica. En espagnol, cela a donné cacicazgo. Par exemple, par extension, ce mot a été utilisé par les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle pour traduire le terme Nahuatl Tecutli, servant à désigner l'aristocratie aztèque, et d'une manière plus générale pour désigner les souverains absolus des civilisations précolombiennes. Tupac Amaru II était devenu le Curaca, c'est-à-dire un administrateur indigène de Surimana, de Tungasca et Pampamarca. Tupac Amaru II, aussi connu sous le titre de Condor Canqui, s'était bâti une fortune en exploitant ses domaines et en s'adonnant au commerce. Ayant des ascendances tant espagnoles, ou plutôt, on va dire, criollo, c'est-à-dire en effet, il était en effet marquis d'Oropesa, d'origine créole, il avait aussi ses origines amérindiennes. Il était en fait une personnalité dite métisse. Si, après avoir été élevé jusqu'à ses 12 ans par un prêtre criollo, c'est-à-dire un prêtre créole, Antonio López de Sosa, et avoir ensuite fréquenté le collège San Francisco de Borja à Cusco, il embrassa largement durant une grande partie de sa vie la culture européenne criollo, c'est-à-dire la culture créole, parvenant à maîtriser le latin et portant des vêtements espagnols raffinés. Il s'attachera plus tard à s'habiller comme un noble inca et à faire activement usage de la langue amérindienne quechua dans sa vie quotidienne et dans ses futures proclamations, et sera frappé d'excommunication par l'Église catholique. Il fut le premier à réclamer la liberté pour toute l'Amérique et à vouloir l'affranchir de toute tutelle, que ce soit de l'Espagne ou de son monarque, ce qui impliquait, à ses yeux, non seulement l'émancipation politique, mais aussi l'élimination des divers modes d'exploitation des Amérindiens, le répartissement des marchandises, les corvées de travail et la suppression de diverses taxations excessives telles que l'alcabala, francisée sous la forme alcaval par Victor Hugo, est un impôt indirect du royaume de Castille prélevé au profit du trésor royal. Créée au XIVe siècle, cette taxe représente la particularité de fournir à la monarchie espagnole l'essentiel de ses recettes fiscales à la fin du Moyen-Âge. Alcabala, dont le nom a conservé l'enclise de l'article arabe Al, désigne à l'origine un impôt local, Al-Qabala, levé dans les municipalités d'Al-Andalus. Donc, la suppression de diverses taxations excessives et les droits de douane intérieurs. Et dès le 14 novembre 1780,
En outre, pour la première fois en Amérique, il décréta l'abolition de l'esclavage des Noirs le 16 novembre 1780. Son mouvement révolutionnaire, qui représenta un véritable point de basculement, conduisit les autorités coloniales à mettre à l'écart la classe des aristocrates indigènes, au demeurant fort peu nombreuse, et à renforcer la répression contre la société andine, de crainte que quelque chose de semblable ne pût jamais se reproduire. Le mouvement échoua et Tupac Amaru II sera publiquement écartelé et décapité en 1781 à Cusco. Cependant, il devint par la suite une figure mythique de la lutte péruvienne pour l'indépendance et pour la reconnaissance des droits des indigènes et sera reconnu comme le fondateur de l'identité nationale péruvienne. Bien sûr, c'est déjà au XVIIIe siècle, alors qu'on sait que la civilisation andine date avec le temple de Tiwanaku de bien plus déjà de 12 000 ans. La figure de Tupac Amaru II et son action ont inspiré et continuent d'inspirer un grand nombre de mouvements amérindiens, passés et actuels.